Après avoir ignoré durant des années la Syrie, il est maintenant clair en Israël que ce front est brutalement devenu le plus sensible. Avidirter se prononce pour une restitution du Golan. Il s'agit peut-être d'une conclusion tirée de la guerre au Liban. À moins que cela soit dû au discours belliqueux du président Assad. Mais Avidirter a été précédé par Amir Peretz. Le ministre de la Défense a déjà fait part de sa volonté de renouveler le dialogue avec les Syriens au même titre que Dirter et la ministre de l'Éducation, Yuli Damir. Le premier ministre Olmert ne semble pas opposé, mais place certaines conditions. Pour autant, toutes ces déclarations doivent être relativisées. Le Premier ministre a ainsi précisé que des éventuelles négociations avec la Syrie n'étaient pas pour un avenir proche. Et même, les membres de Kadima et les proches d'Avidirter ne se pressent pas. Ils n'ont pas l'intention de se séparer du plateau du Golan. Six ans sont passés depuis les dernières négociations avec les Syriens. Depuis, il y a une coupure. Le sort du plateau du Golan ne se trouve pas au cœur des discussions publiques. À la Knesset ce matin, les choses étaient pourtant différentes. Mais au-delà de ces déclarations de bonnes intentions, la réalité est tout autre. À Damas, on réagit en déclarant qu'Israël devrait désormais passer aux actes.